mesdames et messieurs, nous sommes sur la chaîne Ziana TV, la chaîne des diasporas. J'ai devant moi ma demoiselle Edna et elle va essayer de nous parler un peu de la journée culturelle du Congo. Je suis Edna Wala, congolaise. Je viens d'arriver en fait, donc je ne sais pas comment ça se passe. Mais j'ai l'impression que c'est bien déjà vu que ça commence comme ça. Et déjà, il y a beaucoup de monde et apparemment, il y a du chaud à l'intérieur. Apparemment. Je veux voir et voir ce qui se passe à l'intérieur. Mademoiselle Edna, c'est ça? Oui. Et vous vivez à Casablanca ou bien? Non, je suis ici à Rabat, précisément à Océan. Et ça fait combien de temps que vous êtes au Maroc? C'est ma première année au Maroc. C'est votre première année? Et qu'est-ce que vous faites au Maroc? Je suis étudiante. Étudiante? Oui. Ah ça, en quoi? Je suis étudiante en logistique et ingénierie de transport. D'accord. Et quelles sont vos impressions sur la journée culturelle congolaise? C'est pour la première fois que vous participez à une journée? Oui, c'est pour la première fois, mais je trouve qu'il y a vraiment une participation massive des Congolais et ça me fait plaisir en tout cas de voir la diaspora congolaise ici et tout. Mais... D'accord, je vous remercie et je vous souhaite bonne chance. Merci. Toujours sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora, nous continuons à recevoir des invités. Là, j'ai devant moi une demoiselle, elle va se présenter tout à l'heure. Comment vous appelez, mademoiselle? Je m'appelle Lorège. Lorège. Vous avez quel statut, Lorège? Ben, je suis étudiante. Et ça fait combien d'années que vous êtes ici au Maroc? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis au Maroc. Au Maroc. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites comme études? J'étudie sur les finances, précisément sur les banques. Et vous êtes de Rabat ou de Casa? De Rabat. Ah, et vos impressions sur la journée culturelle? Ben, j'apprécie parce que c'est un truc pour nous de commémorer encore entre les Africains, pouvoir revenir encore sur nos cultures, voir comment ça se passe et tout. Bon, voilà quoi. Et c'est votre première ou bien vous avez partagé plusieurs? Si, je participe souvent, je suis là et ça c'est ma deuxième fois, disons. Parce que les trois autres années, je n'étais pas là, je ne participais pas. Parce que ça ne me tentait pas trop. D'accord, je vous souhaite bonne chose et bien des choses à vous. Merci. Nous sommes tous sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Nous continuons à recevoir nos invités. Là, j'ai devant moi un monsieur qui va se présenter. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle monsieur Romaric Gembo Bobassa. Monsieur Romaric Gembo Bobassa, ça fait combien de temps que vous êtes au Maroc? Oh, mais ça me fait pratiquement, je crois, 8 mois, si je ne me trompe pas. Ça fait pratiquement 8 mois que je suis là. 8 mois. Et vous pouvez me dire qu'est-ce que vous faites, monsieur? Non, je suis venu assister les frères congolais, parce que je suis congolais. Alors, qu'est-ce que vous faites aussi au Maroc, exactement? Non, je suis de passage. Vous êtes de passage. Et, monsieur Romaric, vos impressions sur la journée culturelle congolaise? Bon, mais puisque je viens d'arriver, et puis c'est pour une première fois que j'assiste à une journée culturelle au Maroc, bon, je ne sais pas comment ça se passe, mais apparemment, ça se passe bien. Apparemment, c'est pratiquement la même chose. Puisque moi, j'étais en Russie, j'étais étudiant là-bas, j'ai fini. Ah bon? Oui, oui, là-bas, c'était beau, c'était quand même beau. Mais je pense qu'elle est belle, elle est belle. Puisque je viens d'arriver, donc je ne peux pas d'abord donner une qualification totale à cette journée, donc je pense qu'elle sera belle. D'accord, je vous souhaite bien des choses et bonne journée, monsieur Romaric. Merci. Merci. Vos impressions sur la journée, monsieur? Je ne ferai que remercier toute la bonne volonté des personnes qui ont répondu présent à cet événement, de nous avoir honorés et d'avoir participé à cet événement. Et suite à ça, on a pu mettre en place le patrimoine de la culture congolaise, ainsi l'histoire du Congo. Merci monsieur, je vous souhaite bien des choses monsieur. Bonjour chers internautes, nous sommes toujours sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Là où nous continuons à recevoir nos invités. Là j'ai encore notre jeune frère qui va se présenter. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Pouvez-vous vous présenter monsieur? Oui, je me présente Rolin, au nom de Osombi quoi. Osombi? Et Osombi, monsieur Osombi, ça fait combien de temps que vous êtes au Maroc? Ça fait à peine quelque chose de 3 à 4 mois. Hein. 3 à 4 mois? Ah ça. Vous êtes de quelle ville monsieur? Je suis de Brazzaville. Non, ici au Maroc. La ville d'ici, je suis à Casa. De Casablanca. Ah, quelle belle ambiance. Vous voyez, il y a des gens de partout qui viennent. De Casa, Rabat, voilà, c'est un mélange. Pour dire que non, aujourd'hui, c'est carrément l'ambiance de la nation. Et vos impressions sur la journée culturelle, monsieur?
Mes impressions, bon, je suis très ravi, hein, vu que c'est notre journée aujourd'hui, la journée des Congolais, donc on doit faire soyer. Donc. C'est votre première ? Oui, c'est ma première fois d'être à une journée culturelle. Hein. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez quel statut au Maroc ? Moi, je suis étudiant, oui. Ah d'accord, donc je vous souhaite bonne continuité et bien des choses à vous, monsieur. Merci.